Les falaises de Bourgogne se présentent sous l'aspect de roches calcaires, plus ou moins élevées, et striées de vire. C'est dans les plus hauts de ces massifs que nous allons rencontrer le faucon pèlerin, rapace en voie de disparition dans toute l'Europe de l'Ouest. Un petit matin de février, nous trouvons la femelle perchée sur une branche. Elle vient avec le mâle reprendre possession du même emplacement que l'année précédente. Après avoir fait sa toilette, celui-ci est prêt à s'envoler. Et la falaise devient bientôt le théâtre de gracieuses parades. Tout en démontrant son adresse à sa compagne, il délimite son territoire, sur lequel, durant tout le temps de la couvaison, il ne tolérera aucun concurrent. Dans la deuxième quinzaine de mars, 3 œufs en moyenne seront pondus sur une marche de rochers plus ou moins abrités des intempéries. Si les faucons trouvent des matériaux à leur portée, ils construisent une coupe qui leur sert de nid. Les œufs sont tournés toutes les 20 minutes et le couveur les place une fois rangés sous ses plaques incubatrices, région de la poitrine où affleurent en grand nombre les vaisseaux sanguins qui permettent un important échange de chaleur. Les changements de couveur, qui ont lieu 6 à 7 fois par jour, permettent aux oiseaux de se reposer et d'assurer leur subsistance. Tandis que son compagnon s'est envolé, le remplaçant continue la construction de la coupe, détruite en partie à chaque départ. Pendant un mois, les œufs seront couvés avec soin, les 2/3 du temps par la femelle et le reste par le mâle. Mais depuis quelques années, les insecticides en influence sur la fertilisation des œufs causent de grands ravages. Ici, sur les 3 œufs de la couvée, 2 oiseaux seulement verront le jour. Les éclosions sont espacées de 48 heures et les jeunes qui naissent sont couvés constamment pendant encore une semaine. Livrés à eux-mêmes, les petits, incapables d'assurer leur thermorégulation, se serrent l'un contre l'autre. Une dizaine de jours ont passé, et déjà ayant pris de l'assurance, il s'approche de la falaise pour profiter du soleil et se dégourdir les pattes. Nourri indifféremment par un des 2 adultes, la quantité de viande qui leur est apportée va en augmentant et passe de quelques béquets le matin à 3 ou 4 proies par jour selon la grosseur du gibier. Le nid est débarrassé des déchets par les parents après chaque repas.
Le temps de la couvaison est terminé. Peu à peu, les rémiges et les rectrices poussent. Les moustaches se dessinent. Les cires, ainsi que les cercles orbitaux bleu-argent, se détachent sur le plumage brun et les poitrines rayées. À ce stade, véritable glouton, ils se jettent sur les proies que leur dépose rapidement un des deux adultes. Mais déjà, le cycle biologique de la couvaison est terminé et les parents espacent leur visite. Leurs ailes sont maintenant capables de les porter. Leur envol est proche. Bientôt, ils apprendront à chasser et à vivre avec les moyens que la nature leur offre. S'ils évitent le plomb des chasseurs et les proies contaminées par les insecticides, ils pourront à leur tour se reproduire et assurer la continuation de l'espèce.